Bonsoir. En effet, donc, je précise tout de suite, je suis suisse, et comme tout bon suisse, je suis à moitié italien, dans le sens où, dans ce pays, les étrangers sont extrêmement importants, et vous allez le voir, ça a une certaine importance dans l'histoire, pas tellement du cinéma suisse, mais dans la situation sociale au cours des années 60 en Suisse. Première chose que j'aimerais peut-être dire pour commencer, c'est pour paraphraser quelque chose que l'artiste Ben, artiste suisse, avait placardé en grand lors de l'exposition universelle de Séville. La Suisse n'existe pas, avait-il dit, ce qui avait fait problème évidemment au niveau politique. Alors moi je vais dire, le cinéma suisse n'existe pas. Alors qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez voir des cinémas suisses. Le cinéma suisse, il est multiple parce que le pays est multiple, parce qu'il a quatre langues officielles, trois régions véritablement linguistiques, la partie suisse-italienne, dont je ne parlerai pas beaucoup parce qu'en effet, elle est très liée à la Suisse romande et à la Suisse allemande, donc la Suisse alémanique qui parle allemand et la Suisse romande, comme on l'appelle chez nous, qui est la Suisse francophone, celle de Genève, Lausanne, que certains d'entre vous connaissent certainement. Cette Suisse multiple a eu une histoire du cinéma mal connue, peu connue, et je vais essayer de vous la résumer très brièvement pour vous situer un peu ce dont on va parler dans quelques instants. Tout d'abord, le cinéma suisse à l'époque du muet n'existe pas véritablement. Il y a quelques tentatives de production un peu industrielles à l'époque du muet qui se font en Suisse alémanique, avec essentiellement des sortes de récits liés à l'histoire de notre pays, notamment dit Entstehung der Genossenschaft, qui est l'édification de notre nation, évidemment en référence au mythe de Guillaume Tell. Alors là, il y en a plein des mythes de Guillaume Tell pendant l'époque du muet. Et en Suisse romande, il y a une volonté de développer un cinéma muet, un peu de qualité. On est déjà un peu dans une idée d'un cinéma d'auteur. Mais ce sont des cinéastes, au fond, très liés à la France ou à l'étranger qui vont venir faire ces films-là. Et je relèverai deux films importants. Tout d'abord, un film réalisé par le réalisateur belge Jacques Feder, qui tourne Visage d'enfant, un film magnifique qui a été édité par Arte il n'y a pas très longtemps, qu'on vient de restaurer avec Lobster Film. Film magnifique à la fois sur l'enfance et tourné quasi intégralement en extérieur dans le canton du Valais avec des figurants locaux, qui est vraiment un film proto-néo-réaliste tourné en Suisse. Et de l'autre côté, un film tourné par Jean Chou, un réalisateur suisse d'origine, genevoise, mais qui a fait quasiment toute sa carrière en France, qui est quand même revenu en Suisse pour tourner son film peut-être le plus personnel, La vocation d'André Carrel, avec comme un des acteurs principaux Michel Simon dans l'un de ses premiers, si ce n'est son premier, grand rôle. C'est là qu'on l'a découvert avant qu'il fasse évidemment la carrière que l'on sait, et notamment la talente de Jean Vigo. Donc voilà pour cette phase du cinéma muet, et ensuite se développe en Suisse alémanique, cette fois-ci, un vrai cinéma, un peu de type industriel, avec plusieurs sociétés de production, dont une qui s'appelle la Presence Film, qui naît à la fin des années 20, et qui résiste et qui existe encore aujourd'hui, qui ne fait plus vraiment de production, mais qui fait de la distribution, et qui va produire des films de différentes natures, des films populaires, en s'appuyant sur quelques réalisateurs comme Franz Schneider, Kurt Früh et surtout Leopold Lindberg, qui est d'origine viennoise, juif autrichien qui avait quitté l'Autriche pour venir s'installer en Suisse et travailler au théâtre et qui s'est mis à faire des films, à la fois des films, disons, patriotiques, ce qu'on appelle des Heimatfilms chez nous, des films de montagne, mais aussi des films plus engagés, notamment la fameuse Dernière Chance, film qu'on a présenté à Cannes Classics il y a deux ans dans une version restaurée, film qui problématise la question des réfugiés pendant la guerre, puisque je rappelle, et ça a un certain sens par rapport à ce que je vais vous dire ensuite, que la Suisse en 1942 a déclaré que Das Boot ist voll, la barque est pleine, et donc a fermé ses frontières, notamment aux Juifs qui voulaient se réfugier dans le pays. En théorie, seuls les enfants et les personnes âgées avaient le droit d'entrer, donc les familles, dans leur intégralité, étaient souvent chassées. On ne sait pas exactement le chiffre de Juifs qui ont été refoulés à la frontière. Il y a beaucoup de discussions à cet égard. J'ai présenté le film récemment au Mémorial de la Shoah, pas loin d'ici, et on en a beaucoup discuté. Peu importe le chiffre, mais disons, on parle de 20 à 40 000 Juifs qui ont été refoulés à la frontière. Et c'est un traumatisme dont Lindberg parlait déjà en 1944, le film ayant été tourné pendant la guerre. Ce film a été présenté à Cannes. Il a eu un succès international
considérable et a aussi marqué les consciences. Mais ce cinéma industriel ou, disons, populaire, produit par la Présence, commence à décliner à la fin des années 50. Et on est un peu dans une situation comme celle qui prévaut en France, hein, la fameuse qualité française. Bon, maintenant, on avait notre qualité suisse, qui était surtout alémanique, et il y avait un vent de révolte qui soufflait du côté de la Suisse romande, de la Suisse francophone, à partir de la fin des années 50, une volonté peut-être de faire autre chose et de raconter autre chose. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin des années 50 ? Eh bien, une chose qui concerne de nouveau la France, nos chers voisins, c'est la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie va avoir une influence majeure en Suisse, puisque la Suisse va être ce lieu de repli, à la fois pour les insoumis français, les déserteurs. Énormément de Français vont venir s'installer en Suisse en fuyant la France. Et je citerai parmi eux Michel Bouju, que certains d'entre vous connaissent, le critique, écrivain, qui a d'ailleurs écrit dans un très joli livre qui était Le jour où Gary Cooper est mort, qui a été publié chez Rivage, Payot, où il raconte justement son à la fois le fait qu'il se réfugiait dans les salles de cinéma pour se cacher de l'armée et qu'ensuite il s'est réfugié en Suisse, et c'est les salles de cinéma suisses qui l'ont accueilli et qui lui ont permis de survivre. Résultat, il a trouvé du travail où ? À la télévision suisse romande, et c'est la télévision suisse romande qui va accueillir plusieurs de ces insoumis ou de ces déserteurs, notamment quelqu'un qui va devenir un chef opérateur très coté et réalisateur à la télévision romande, qui est André Gazu, et Christian Mottier aussi, qui va devenir réalisateur à la télévision romande. La Suisse est aussi plaque tournante pour le FLN. Il y a énormément de porteurs de serviettes qui vont soit amener de l'argent en France, soit... Enfin bref, la Suisse va devenir un lieu très important par rapport à la guerre d'Algérie. D'ailleurs, les représentants du FLN seront basés à Lausanne pendant les accords d'Évian, et c'est des hélicoptères de l'armée suisse qui les amènent à Évian pour signer les accords. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'au fond, cette idée d'une Suisse qui accueille des clandestins va véritablement faire passablement bouger tous les mouvements de gauche au niveau suisse. Il faut savoir que les premières éditions du Mujahid, le journal du FLN, sont imprimées sur la presse de la Voix ouvrière, qui était le journal du Parti communiste, enfin Parti ouvrier populaire, comme on l'appelait à l'époque, en Suisse. Donc il y a vraiment ce lien déjà très fort d'un réseau qui se crée, de réflexion politique et d'une espèce de base comme ça révolutionnaire qui est en train de se construire de façon latente au sein de pays, et la télévision suisse romande va y jouer un rôle. Et voilà qu'il se passe un événement important dans le cinéma suisse, c'est l'Expo 64. Alors, de nouveau, nous Suisses, on ne fait jamais les choses comme les autres. Dans le monde entier, on fait des expositions universelles, hein, comme à Paris, comme à Bruxelles, comme un peu partout dans le monde, pour se montrer au monde et faire venir le monde chez nous. Nous, en Suisse, on fait depuis la fin du 19e siècle des expositions nationales. C'est gros comme une exposition universelle, mais c'est que pour nous. C'est entre nous, et on reste entre nous parce qu'on n'a pas envie que les autres viennent nous envahir. Et en 64, a lieu une exposition nationale à Lausanne qui va, au fond, être remarquable à divers titres parce que, d'une part, elle va accueillir des millions et des millions de spectateurs, en particulier suisses, mais parce qu'elle va montrer la Suisse comme elle est dans une espèce de cassure assez violente. D'un côté, la Suisse traditionnelle, une Suisse prospère, bourgeoise, où on a de l'argent, où on a des voitures, où on construit des autoroutes. La Suisse du repli sur soi. Il faut bien se rendre compte que pendant la guerre, la Suisse qui a échappé à la Deuxième Guerre mondiale et en était bien contente, disait partout que si on a échappé à la guerre et à l'invasion par les nazis, c'est pas parce qu'on avait des banques, non, c'est parce qu'on a su faire peur aux Allemands. Mon œil. Mais toujours est-il que le stand de l'armée représenté à l'exposition nationale, c'est comme une espèce d'immense hérisson avec des piquants dans tous les coins pour bien montrer qu'on sait se défendre et qu'on est fort. Et de l'autre côté, dans cette même exposition, il y a des œuvres créées par des grands artistes comme Tinguely et surtout le cinéma qui va entrer en force.
Freddy Buach, mon prédécesseur, qui est un des fondateurs de la Cinémathèque suisse, grand ami de Langlois, qui était un grand activiste du cinéma, faisait partie de la commission de l'expo, et a insisté pour que le cinéma soit intégré dans l'exposition. Alors, dans l'exposition, on va montrer un film d'Alain Tanner, Les Apprentis, un film documentaire sur les apprentis et sur le métier, le travail des apprentis, mais qui évidemment déjà en germe contient un certain nombre de discours critiques d'une certaine jeunesse à l'égard de l'État, à l'égard des patrons. Et de l'autre côté, on va commanditer à un cinéaste qu'on connaît peu ici, qui s'appelle Henri Brand, qui est un cinéaste d'origine neuchâteloise, qui est un tout petit peu, pour faire très court, notre Jean Rouche à nous, un film pour un pavillon de l'expo. Mais avant que je vous parle de ce pavillon et de ce pavillon qui va marquer les consciences et l'histoire du cinéma suisse probablement pendant longtemps, juste un petit film publicitaire d'une minute, donc c'est l'extrait numéro 1, pour que vous voyez tout de suite à quoi rime Expo Nationale à Lausanne en 64. Tous les 25 ans, la Suisse organise son exposition nationale. C'est un événement unique dans la vie du pays. Chacun prend part à cet immense rendez-vous. Les 25 États y sont présents, avec leur langue, leur confession, leurs coutumes différentes. Ouverte sur l'avenir, l'exposition nationale suisse présente à ses hôtes un pays que des semaines de voyage ne leur permettraient pas de découvrir. Du 30 avril au 25 octobre, la Suisse de demain vous invite aujourd'hui à Lausanne. Voilà, ça vous donne le ton de l'expo. Cette expo va être visitée par la quasi-totalité de la population suisse. Même moi, j'avais 3 ans, j'y suis allé, donc vous vous rendez compte. Mais donc, il y a ce pavillon qu'on va appeler la Voix suisse, où Henri Brand interroge au fond la Suisse dans ses grands défis. Et pour cela, il utilise le moyen du cinéma dans quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui assez classiquement une installation, à savoir un parcours où le visiteur déambule avec différentes projections, des projections sur 3 écrans, des écrans au plafond, différentes formes d'écran, et surtout un petit fragment de à peu près 3 minutes qui, quelque part, résume parfaitement quels vont être les enjeux du nouveau cinéma suisse dont je vais vous parler dans quelques minutes. Et on voit tout de suite cet extrait de La Suisse s'interroge par Henri Brand. Numéro 2. Thank you.
Vous voyez le type de questionnement que pose le film, et je dois vous avouer qu'imaginer que toute la population suisse voit ça et commence à se poser des questions, évidemment, tous les jeunes qui vont commencer à faire des films dans les années qui suivent se posent aussi un peu ce genre de questions. Et on retrouve là un peu cet esprit entre le documentaire et la fiction que Tanner, Souter, Goretta, par la suite, vont utiliser. On est en 64. C'est pas encore 68, mais on sent qu'il y a quelque chose, il y a un frémissement. Il faut savoir aussi que durant l'expo, il y aura un immense questionnaire qui va être lancé par l'exposition elle-même, qui s'appelle Gulliver, ou une espèce de géant représentant Gulliver, pose des questions à la population. Et ce questionnaire va rester caché, sous scellé, parce qu'on avait trop peur d'analyser les réponses, et les réponses que la population suisse aurait pu donner à l'égard de son désir par rapport à l'avenir. Voilà pour le contexte. Et maintenant, je dois ajouter un autre élément qui est celui, et ça peut paraître curieux, qui est celui de la télévision romande. Cette exposition 64 va être un des grands événements dans le pays qui est suivi, puisqu'il se déroule en Suisse romande, par la télévision suisse romande, qui est née à la fin des années 50, et en même temps qui est évidemment suivi par d'autres moyens de communication, comme le ciné-journal, qui était la voix officielle de l'État, qui a une voix extrêmement peu polémique. Mais la télévision, déjà, évidemment, rapporte un certain nombre de visions assez polémiques par rapport à cette exposition et par rapport justement aux interrogations qu'elle pose sur la société. Et dans cette télévision, on trouve des gens qui vont faire le cinéma suisse, le nouveau cinéma suisse dont je suis censé vous parler, et j'attends le moment de vous montrer des extraits de ces films-là. Revenons un petit moment en arrière. En 1957, deux jeunes étudiants cinéphiles, qui ont pour nom Alain Tanner et Claude Goretta, partent à Londres parce qu'ils apprécient particulièrement le free cinéma. Le cinéma libre britannique, les Lindsay Anderson et les autres. Et dans ce contexte-là, en raison des études qu'ils font de façon relativement sporadique à Londres, ils vont tourner un court-métrage qui s'appelle Nice Time, ou en français Piccadilly la nuit, un petit film documentaire qui va avoir l'honneur d'être présenté à Venise en 1957 et va, au fond, d'un coup, les rendre célèbres, en tout cas en Suisse. Résultat, Tanner et Goretta, de même que leur camarade Michel Souter, de même que deux autres que sont Jean-Jacques Lagrange et Jean-Louis Roy, vont intégrer très rapidement au début des années 60 la télévision suisse romande, qui comme assistant, qui comme journaliste, qui comme réalisateur, et vont se mettre à travailler là pour signer des reportages, à la fois des reportages sportifs, des images en tout genre, mais aussi des films un tout petit peu plus engagés, des films documentés, des vrais reportages pour deux émissions qui sont En Suisse, Continent sans visa, et une émission que vous connaissez certainement qui est Cinq colonnes à la une, puisqu'il y avait une véritable collaboration entre la télévision suisse romande et l'ORTF. Je rappelle que Continent sans visa en Suisse s'est arrêté en 69, on se demande pourquoi, et que Saint-Colonne à la Une a été arrêté en 68, en mai 68, et on se demande aussi pourquoi. C'était donc l'émission notamment de Pierre Lazareff et de Desgroupe et Lazareff. Il y avait cette collaboration qui se faisait sur des reportages qui justement mettaient le doigt là où ça faisait mal, qui s'interrogeaient sur notre société et qui sentaient en germe ce qui allait peut-être se passer. D'ailleurs, ce qui va se passer, c'est que quand les événements de 68 ont lieu à Paris, il y a un cinéaste qui est là pour suivre les événements et pour les filmer pour le compte de la télévision romande, et c'est Alain Tanner, comme par hasard. Et pendant ce temps, en 68, Claude Goretta, son camarade, présente un film dont on va peut-être pas passer l'entièreté de l'extrait, je vous en montre juste un tout petit bout pour vous en donner une idée, un film qu'il réalise pour la télévision suisse romande et qui s'appelle Un employé de banque. Et regardez comment Goretta, en 68, filme Un employé de banque pour la télévision suisse romande. Numéro 3. Mais pour moi, dans la vie de chaque individu, il y a différentes périodes à franchir
Pour mon cas personnel, j'ai fait, je pense, mon éducation. J'ai essayé de faire ma formation. J'en suis à un certain stade de mon perfectionnement. Arrive ensuite, à mon avis, la promotion. Ensuite, les nominations. Et puis pour finir, les honneurs. Ça, évidemment, c'est beaucoup plus tard. J'estime arriver à 31 ans au stade de la fin du perfectionnement, bien qu'on n'en sache en fait jamais suffisamment. J'envisage l'avenir ainsi, c'est-à-dire d'améliorer ma situation professionnelle, bien sûr, de façon à pouvoir en faire jouir celle qui sera mon épouse plus tard, d'en faire jouir mes enfants, car je ne conçois guère le bonheur sans enfants. Je pense aussi qu'une certaine aisance matérielle, en quelque sorte, ce n'est pas parce que je suis employé de banque que j'ai dit ça, mais enfin, je pense qu'une aisance matérielle aide beaucoup au bonheur. Je crois que de pouvoir voyager à sa guise, de pouvoir habiter une propriété qui soit bien à soi, je pense que tout cela constitue quand même le bonheur aussi. Voilà. Environ 75 centimes suisses. Ou 75 francs, si vous voulez, pour 110 dirhams. Voilà, c'était juste pour que vous voyez qu'en effet, il est monté en grade une année plus tard. Donc le film s'est achevé véritablement en 68. Goretta l'avait suivi pendant 3 ans dans son ascension de bon banquier suisse. Et on voit bien que cette idée de la course au bonheur de cette façon-là, elle est extrêmement ancrée dans la société, mais ce n'est évidemment pas le cas de tout le monde. Et cet apprentissage que Goretta, Tanner, Souter vont faire à la télévision suisse romande en enquêtant, en documentant cette Suisse pour laquelle le rêve de bonheur, c'est ça, c'est beaucoup de voitures, hein, il y a énormément de voitures tout le temps, vous allez en retrouver quelques-unes dans quelques instants, ces cinéastes véritablement se sont confrontés à ces personnages, ont documenté cette réalité pour évidemment à un moment donné la déplacer vers la fiction. Mais ils ne vont pas le faire tout seuls. Et c'est en 68, de nouveau, année clé pour la Suisse, que 5 cinéastes que j'ai cités tout à l'heure, à savoir Alain Tanner, Michel Souter, Claude Goretta, Jean-Louis Roy et Jean-Jacques Lagrange, fondent le groupe 5. Ils sont 5, c'est logique. Le groupe 5, dont le but est d'être une société de production qui va produire des films de fiction, avec le soutien de la télévision romande. À l'époque, il n'y a pas encore de soutien fédéral public pour le cinéma. Donc, c'est leur argent, leur investissement personnel, au fond leur travail, et de l'autre côté, l'argent de la télévision, qui va permettre à 8 longs métrages de se réaliser entre 69 et 73. Et c'est justement cette période-là que je vais essayer de vous montrer maintenant, cette période de rêve du nouveau cinéma suisse roman, mais qui est aussi une période de naissance de plusieurs cinéastes et d'autres qu'on évoque moins et sur lesquels je vais revenir dans quelques instants. Donc la TSR va jouer un rôle à double titre, à la fois en tant que financier et à la fois en tant que lieu d'expérimentation. Et toujours ces cinéastes ne vont jamais arrêter de faire des va-et-vient. Souter a terminé toute sa carrière avant son décès en revenant, en faisant des séries télévision, en tournant des Maigret avec Bruno Kremer, en tournant de très très beaux films pour la télévision. Tanner, moins. Goretta a fait des allers-retours aussi avec des dramatiques. Et tout de suite, on va voir l'un des deux films qui marque au fond le plus 68 et la révolution, si on veut bien, puisque c'est le thème de ce cycle au sein du cinéma suisse roman, c'est un film qui sort en 1969, mais qui a été bien tourné en 68 dans cet esprit-là, et qui est la logique déclinaison de ce que vous venez de voir à l'instant, qui est un film d'Alain Tanner, qui va être programmé à la Semaine de la Critique à Cannes. C'est son premier long-métrage. Il remporte aussi la Voile d'Or au Festival de Locarno. C'est aussi le premier film du groupe 5, dans lequel on retrouve comme acteur principal François Simon, le fils de Michel Simon. François Simon qui va être un acteur clé de tout ce nouveau cinéma suisse roman. Tout de suite un extrait de Charles Mort ou Vif, numéro 4.
véritable Bocuse. Vous habitez près d'ici? Ah, là-bas, derrière les arbres. Pourquoi nous arrêtons-nous ici? Paul et moi, on s'arrête toujours ici quand on y passe. C'est une sorte de rituel. Hein? On s'arrête et on regarde le paysage. Mais pourquoi justement ici? Ça n'a rien de bien attrayant. Si, c'est notre endroit préféré. Vous aimez la campagne? La banlieue, surtout. Et les cités satellites. Le soir. Et la ville? Vous n'aimez pas Genève? Non. C'est plein d'espions américains. Avec leurs enfants. C'est plein de banques. En hiver, quand il pleut ou quand il neige, j'aime beaucoup la ville. Oh, mais en été, c'est ignoble. Les touristes complètement abrutis qui photographient les parcs avec leur gazon tendu et leur rangée de tulipes. Ou bien le jet d'eau dans sa rade comme sur une carte postale. Ah, voilà, quelle fin font les voitures. Ce que j'aimerais, j'ai juste oublié de vous dire tout à l'heure, mais je crois que c'est pas très important, vous l'avez compris de vous-même. Le personnage, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, le personnage incarné par François Simon est un chef d'entreprise qui, tout d'un coup, décide, alors qu'il vient de célébrer l'anniversaire de son entreprise, de, au fond, disparaître et de changer de vie et de s'approcher de ces jeunes gens. Mais on a là, dans Charles Moroux-Vif, aussi l'un, non pas des problèmes, mais au fond, l'une des situations du nouveau cinéma suisse, qui est que ce cinéma, au fond, de la révolution qui est en train de se faire, il est incarné par des gens qui, en 69, ont déjà 40 ans. Alain Tanner a 40 ans. Claude Goretta a 40 ans en 69. Et la question qu'on peut se poser, c'est où sont les jeunes? Où sont les plus jeunes? C'est-à-dire ceux qui ont 20, 22 ans, 25 ans. Quels films ils font? Eh bien, justement, c'est pour ça que je vais faire une petite déviation et quitter Tanner, Souter, Goretta pour aller rendre visite à un autre cinéaste très important, à mon sens, qui est peut-être moins connu et pourtant qui a une très très belle carrière derrière lui, qui s'appelle Francis Resserre. Il signe un premier long métrage de fiction, une sorte de petit brûlot anarchiste que c'est en Suisse qui a été détesté, mais qui va être sélectionné dans la première quinzaine des réalisateurs, et ici je crois qu'on est très proche de la quinzaine des réalisateurs, de Pierre-Henri Delos en 69, donc la même année que Charles Moroux-Vif. Lui, il est 13 ans plus jeune que Alain Tanner, et lui, Francis Resserre, il a fait des cinétracts, il se reconnaît dans le cinéma de Jean-Luc Godard, avant tout. Il est, alors Dick cite ses propres paroles, il est plutôt tendance, il est Mao, donc maoïste, mais tendance spontex. Alors je ne sais pas si ça s'utilise en France, mais la tendance spontex, c'est les spontanés. Hein, donc il y a peu de connexion avec le gouvernement chinois. Et d'ailleurs, il est assez opposé aux trotskistes, qui étaient une autre bande de cinéastes de cette époque-là et de cet âge-là. Et il va finir même en prison pendant quelques temps parce qu'il a participé à une grande manifestation qui a eu lieu à Lausanne quelques années après, je crois que c'était en 1970, pour quelque chose de fondamental qui était de faire baisser le prix des places au cinéma à Lausanne. Sérieux, hein, il a fait de la prison. Lui, il vient d'un milieu ouvrier, contrairement aux autres cinéastes. Il a moins, au fond, ses racines, on va dire, philosophiques que peuvent avoir les cinéastes comme Tanner, Souter, Goretta. Lui, il est dans la volonté de tuer les pères et de faire une révolte absolue. Et avec Vive la mort, qui est ce premier long métrage, qui n'est certainement pas un chef-d'œuvre, mais qui est un film très intéressant qu'on est en train de restaurer à la Cinémathèque suisse, eh bien, il expérimente justement une volonté d'anarchie à travers le destin de deux jeunes gens qui littéralement vont tuer le père. Deux jeunes gens, un couple, et le garçon
est interprété par quelqu'un qui a fait carrière en France, qui est un Français, qui est Édouard Niermans, réalisateur de films, connu plus comme réalisateur, et qui, dans le film, vous allez le voir, pour ceux qui le connaissent, il a un blond flamboyant, et il semblerait qu'il a perdu une bonne partie de ses cheveux suite au tournage, parce qu'il lui avait fait une teinture un peu agressive, ça c'est pour l'anecdote. Alors tout de suite, un premier extrait de Vive la mort, où vous allez voir les personnages, et ensuite on va en regarder un deuxième. Donc extrait numéro 5, qui nous vient directement du laboratoire de Bologne, où on est en cours de restauration. Allez, en route, je t'emmène. On boira du Coca-Cola et on traversera en dehors des passages clôtés. Loin. Très loin de terre des hommes. Pourquoi pas, Paul ? Oui, c'est vrai. Pourquoi pas lui ? Oui, au fond, pourquoi pas lui ? Adieu, Sodome. Il y a comme ça, à l'intérieur de ruines soudaines, des fulgurances, des départs insouciants. Il suffirait de se tromper à un croisement. Les Alpes allaient fondre sur eux. Hannibal, les voilà. Alors que le four est chaud et que les pommes de terre sont pelées, je prends une moyenne lèche frite dans laquelle je mets de l'huile, puis du beurre. Alors évidemment, c'est une toute autre tonalité, mais le film va avoir beaucoup de succès en France au moment de sa sortie. Par contre, en Suisse, on n'apprécie par exemple pas du tout ce genre de séquence à la dernière, parce qu'elle fait référence au IMAT film, au film traditionnel, à tous les films qu'on tourne en Suisse dans la montagne et dans la forêt, à griller des cervelas, qui est une tradition helvétique, la torée aussi est une tradition helvétique romande, c'est-à-dire faire un feu dans la forêt, manger... Enfin bref, passons... Il n'y a que nous qui pouvons comprendre. Tout ça pour dire que le film va être très mal reçu en Suisse, d'autant que lui, Francis Resser, dont vous avez entendu la voix off tout à l'heure sur les ruines des Alpes, est quelqu'un qui pousse le verbe assez haut, se fait entendre, il signera aussi des ciné-tracts, et il va continuer dans sa carrière à être un peu un trublion de notre cinéma. Il signera en 1970, juste deux ans, même l'année d'après, un documentaire qui s'appelle Biladi, une révolution sur la cause palestinienne, donc en prenant fait et cause pour les Palestiniens. Il va signer encore deux ans plus tard Le Grand Soir, Le Bien Nommé, qui raconte justement l'idée d'une révolution, film qui va remporter le Léopard d'Or à Locarno. Et ensuite, il va faire des films, peut-être un tout petit peu plus traditionnels, puisqu'il signera notamment Derborance, que peut-être vous avez vu, qui a été sélectionné en compétition au Festival de Cannes, qui avait remporté le César du meilleur film francophone à l'époque, un film adapté de Charles Ferdinand Ramu, un grand drame de montagne, justement. Mais pour terminer cette sorte de parenthèse sur Francis Resser, qui est quand même un cinéaste clé dans cette histoire, puisqu'il va être toujours très lié à tous les mouvements révolutionnaires et qu'il est un peu la voix de la jeunesse, puisqu'il a signé ce film quand il avait à peine 26 ans et qui va continuer à être ce jeune trublion à l'intérieur de cette cinématographie. Une deuxième séquence qui est la fin du film, qui vous donne aussi bien l'idée de son discours politique par rapport au père et par rapport à la société de consommation. Thank you.
Ce n'est qu'un début. Tu as trouvé ce que tu cherchais ? Oui. Il y a de quoi manger pour une semaine. Tu m'aimes ? Bien sûr. Quel bonheur. Il est temps de faire la révolution, vous l'avez compris. On va passer le numéro 7 pour l'instant, je le garde en réserve si c'est possible. Et on va maintenant passer directement à l'extrait numéro 9 pour rester dans la chronologie, qui est un film qui, évidemment, lors de sa sortie, va avoir une importance fondamentale pour l'histoire du cinéma suisse, puisque c'est le deuxième long-métrage d'Alain Tanner et celui qui est probablement le plus connu, La Salamandre. La Salamandre sort en 1971, présenté encore une fois à la Quinzaine des réalisateurs, donc 2 ans après Vive la mort, dont je vous ai parlé à l'instant. Film dans lequel il va se nourrir de son expérience à la télévision suisse romande. Pourquoi ? Puisque pour ceux qui ne l'ont pas vu, il s'agit de 2 personnages incarnés d'une part par Jean-Luc Bidault, qui est vraiment l'acteur fétiche du cinéma suisse romand, puisqu'il va faire 8 films durant cette période de 69 à 73, qui joue le rôle d'un journaliste, et de presse écrite, mais aussi de télévision, et son ami, incarné par Jacques Denis, qui lui est plutôt dramaturge, romancier. On a là un peu la représentation des 2 personnages que sont Alain Tanner, d'une certaine façon, qui lui, même s'il est cinéaste, vient quand même un peu du réel, vient de la télévision, vient du documentaire, et de l'autre côté, son camarade John Berger, le grand écrivain, son ami qui va être son scénariste pendant presque toute sa carrière. Et ces 2 personnages dans le film sont censés essayer de raconter l'histoire d'une femme qui a tenté d'assassiner son oncle, son logeur, femme qui est incarnée par Bulogier. Voilà, ce trio que l'on voit tout au long du film va probablement arriver juste au bon moment pour incarner cette idée d'une société en plein changement, de montrer ce que c'est que la révolte, et non pas en l'incarnant à travers des images, comme on vient de les voir maintenant, ou des bruits de pistolets, même si là aussi il y a un fusil, même si là aussi il y a une volonté de tuer le père, mais à travers un personnage qui est une forme de terra incognita, qui est incarné par Bulogier. Je vous en reparle un tout petit peu plus tard, mais tout de suite, si tout va bien, on va essayer de voir l'extrait de La Salamandre, numéro 9, donc. Merci. Ma jarte, elle a sauté, vite à genoux, rajuste la sampe. Quand tu fais l'amour, toi, tu fais l'amour comme ça? Tu fais des trucs? Je fais des trucs.
cap. Compte paysan. Bon, alors écoute un tout petit peu. L'oncle était ici. Rosemont, attention, était là. Il était en train de nettoyer son fusil. La balle est entrée dans le mur, là derrière. Moi, j'ai bien observé les lieux. Alors, je te demande de tout petit peu réfléchir. Comment veux-tu que Rosemonde, vu la disposition de la table, ait pu tirer dans cette direction? Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Tu racontes n'importe quoi. Oh, puis tu m'emmerdes. Le film avait su frapper juste. Il y a la révolution sexuelle, il y a le changement de société, et probablement... tous ceux qui ont vécu mai 68, qui ont vécu ce bouleversement sociétal essentiel, s'y sont retrouvés. Le film a eu un succès international gigantesque et on le sait, il a été programmé à Paris pendant une année sans discontinuer au Saint-André des Arts. Alors c'est clair que c'est un film mythique, mais il ne faut pas oublier les autres cinéastes de l'équipe, à savoir notamment Michel Souter, qui lui était plus poète, était moins politisé, moins politique aussi que Alain Tanner, et Claude Goretta. Alors c'est pour ça que j'aimerais vous montrer maintenant le film qui suit directement La Salamandre, qui est Les Arpenteurs. Le film s'est réalisé une année après. Il passe lui aussi à Cannes, mais pas à la quinzaine, en sélection officielle et en compétition. C'est le quatrième long métrage de Michel Souter, après des longs métrages importants qui étaient Hachiche, La Pomme ou James Soupa, qui est aussi produit par le groupe 5, dans lequel on retrouve Jean-Luc Bidault. On retrouve aussi Jacques Denis, donc les mêmes. Et en plus, Michel Cassagne, que vous allez voir dans quelques instants. Alors, il faut savoir que Michel Souter vient plutôt du théâtre, moins du reportage, même s'il a aussi travaillé pour la télévision. Et à la télévision, il réalisait plutôt des dramatiques, c'est-à-dire des sortes de fiction adaptées de textes. Et comme il le dit lui-même par rapport aux Arpenteurs, moi j'ai aussi le souci du réalisme, mais pas poussé jusqu'au documentaire comme celui de Tanner, par exemple. Et c'est Souter qui le dit. Et par rapport aux Arpenteurs, ce qui l'intéresse, c'est d'inscrire une histoire d'amour dans des surfaces bien définies, avec des périmètres, des diagonales, des lignes qui se croisent. C'est presque un dispositif, son film, autour d'une villa, de deux, voire trois personnages masculins qui tournent autour de différents personnages féminins, relativement indécidables, puisqu'on ne sait jamais lequel est lequel. Et pourquoi il a choisi ce titre à la fois des Arpenteurs et des personnages d'Arpenteurs, donc qui font ces mensurations, c'est parce que justement les Arpenteurs, pour lui, marchent de long en large, à grandes enjambées, entre les maisons, les gens et les sentiments. Tout de suite, donc, un extrait des Arpenteurs qui, je pense, enchaîne parfaitement après La Salamandre pour donner un autre ton au cinéma suisse roman. Et il va aussi rester Les Arpenteurs à l'affiche du cinéma de Saint-André des Arts pendant une année, l'année suivante. Je peux rouler ? Roule ! Tu permets ? Alors elles y sont ? Ouais. Mon Dieu, mon Dieu ! Je t'ai bien dit qu'elles y étaient. De Dieu, nom de Dieu. C'est qui avait raison? C'est toi. C'est qui va retourner en ville pour les chercher? C'est qui? C'est toi. Comment, moi? Mais moi, je peux pas, je sais pas conduire. Démerde-toi! Mais tu vas pas me laisser aller à pied jusque là-bas! On a dû les perdre en route, c'est pas possible autrement. Je suis sûr de les avoir mises sur le toit. Tu me crois ou tu me crois pas? Je vois bien que tu me crois pas. C'est dommage pour toi parce que moi, je me crois. Léon, je t'en prie.
Si vous n'avez pas compris ce qu'ils ont perdu ou ce qu'il n'y avait pas sur la voiture, c'est normal. Hein, c'est pas que on arrive comme ça, c'est le début du film à peu près. Et donc il s'agit évidemment des listes qui permettent de mesurer les sols au niveau des arpenteurs. Mais on retrouve bien là l'esprit, à la fois l'humour extrêmement léger et la manière d'écrire de Michel Souter, qui est probablement le moins politisé des trois, et celui probablement aussi qui résiste peut-être aussi mieux avec le temps, le plus tchékovien, on va dire, de l'ensemble du cinéma suisse romand, et celui qui malheureusement est parti plus tôt, puisque si Alain Tanner et Claude Goretta sont toujours parmi nous, Michel Souter nous a quittés il y a déjà longtemps. Et j'aimerais maintenant passer au troisième, c'est logique, on a vu Tanner, on a vu Souter, il faut aller sur Goretta, et c'est l'année suivante, c'est 73, et c'est la fin du groupe 5. Donc tous les films que vous avez vus là, maintenant, à part Vive la mort, sont des films produits par ce groupe 5, par ce groupe d'amis cinéastes qui font des films ensemble. Claude Goretta va faire le fou au sein du groupe 5 avec François Simon, et il va faire l'invitation. L'invitation est avec La Salamandre l'autre film clé de cette époque. Et vous allez le voir, il s'inspire directement du travail documentaire que Goretta a fait, et notamment de l'histoire du banquier que vous avez vu tout à l'heure, un petit bout, puisqu'il raconte dans l'invitation l'histoire de fonctionnaires ou de gens qui travaillent dans un bureau, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font, dont l'un d'eux, incarné par Michel Robin, grâce à un héritage, va devenir soudain assez riche et va inviter tous ses collègues de bureau dans sa villa. Et pour les servir, il engage pour la journée un serveur étrange et mystérieux qui est justement incarné par François Simon. Donc on trouve là Michel Robin, François Simon, et bien sûr, il ne pouvait y manquer, le trublion de service, Jean-Luc Bideau, un extrait de l'invitation. Emilio, Lamello, Colardi, Spartan, Crack, Boumi, tabouret, c'est pas moi. Autrement dit en français, Emile, faut pas se laisser abattre. Les jeunes vierges aux yeux de feu ont soif. Allez, laisse-moi encore boire dans ton verre un tout petit peu. Allez, c'est ça. Merci, Lamello. Lève mon verre à notre vaillante armée qui défend vigilante la paix des foyers, la vertu de nos femmes et la blancheur de nos cimes. Sans notre armée, vous ne seriez pas là en train de boire du champagne, monsieur Dutoit. Oui, mon caporal. Vous faites toujours partie des vieux grenadiers, monsieur Lamel, en pampant tous les dimanches. J'exagère, Maurice. Oh là là. J'ai 800 jours de mobilisation, moi. Pendant que monsieur Dutoit salissait encore ses culottes. Oui, oui. Inutile de vous dire que tout ça va terminer en petite catastrophe. Petite, on est en Suisse, jamais de grosses catastrophes, mais quand même, on est au début du glissement enfin, progressif et catastrophique de la situation. Alors le film est choral, est véritablement extraordinaire, et il représente bien cette société médiocre, qui est d'ailleurs le titre du texte du dramaturge Michel Viala, dont au départ Goretta s'était inspiré pour écrire l'invitation. Et ce qui est assez curieux dans ce film de critique sociale, qui ne critique pas directement les individus, mais vraiment le groupe en lui-même, le groupe en plus porté par l'alcool qui se libère, mais d'une façon
qui finalement se révélera relativement sordide. C'est aussi qu'on trouve au centre ce personnage incarné par Michel Robin. On en parlait tout à l'heure avec Madame Onicel du fait que je crois qu'il a passé récemment Les Petites Fugues, dont il va être l'acteur principal, Petites Fugues de Yves Hirsin, tournée en 79, donc plusieurs années plus tard, et qu'il va être l'incarnation d'un désir de liberté de ce garçon de ferme qui va vouloir se libérer. Mais c'est une autre histoire, et c'est une autre histoire du cinéma suisse qui commence, puisque ce film, L'Invitation, va être présenté à Cannes, va recevoir des prix à Cannes, va aussi connaître une distribution internationale, mais il est le premier, vous l'avez probablement remarqué, à ne pas être en noir et blanc, parce que tous les autres ont été en noir et blanc, tournés en 16 mm, gonflés, avec des conditions de travail extrêmement minimalistes et d'un tout petit budget. Celui-ci est plutôt bien financé, et est bien financé grâce au soutien d'un pays voisin qui est la France. Et c'est le début d'un cinéma suisse qui s'affranchit de son territoire pour tourner des coproductions, et c'est ainsi que autant Tanner, Souter que Goretta vont tourner tous leurs autres films en coproduction avec la France, avec plus de moyens. Et je rappelle que le film que suivra L'Invitation, c'est La Dentelière, qui je pense est plus perçu comme un film français avec Isabelle Huppert, l'un des premiers grands rôles d'Isabelle Huppert, plutôt qu'un film suisse, et qu'il se détache à ce moment-là de ce côté extrêmement suisse qu'on trouve encore dans L'Invitation, notamment ce rapport à la mobilisation, qui évidemment, nous on n'a pas fait la guerre, mais par contre il y en a évidemment qui ont fait la mobilisation et qui ont ce sentiment d'avoir protégé le pays pendant la guerre. Et pour terminer, parce que le temps qui m'est imparti arrive à son terme ou presque, après on peut en discuter, mais pour terminer, avant peut-être d'aborder deux ou trois autres petites choses, j'aimerais revenir en arrière et si la technique nous le permet, présenter dans quelques instants l'extrait numéro 7 que j'ai volontairement gardé pour la fin, un peu comme tampon. Et de quoi il s'agit ? Il s'agit d'un film réalisé avant presque tous les extraits que je vous ai montrés, puisqu'ils datent de 1967. C'est un film un peu à part, méconnu malheureusement, d'un des membres du groupe 5, Jean-Louis Roy. Mais Jean-Louis Roy, ça vous dit probablement pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'il a surtout fait sa carrière à la télévision à partir de ces années-là. Il a réalisé un film au sein du groupe 5 qui s'appelle Blackout, dans lequel un couple de personnes âgées terrorisées par le monde autour d'eux qui semble être voué à l'anéantissement accumule des réserves alimentaires dans sa maison, ferme complètement sa maison et se laisse bêtement mourir à l'intérieur de leur petite villa dans la banlieue genevoise. Ça, c'est Blackout. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer un extrait, ce film n'est pas encore restauré, c'est relativement compliqué. Peu de ces films, malheureusement, sont disponibles. Mais avant ça, il a fait un film dans lequel il y a un peu cette idée de la catastrophe imminente, mais il y a aussi à la fois une satire de l'idée de la guerre froide, de Genève, terre d'espions venus de l'Est, de l'Ouest, d'un peu du monde entier. Avec un casting d'enfer, je vous cite juste pour le plaisir, Howard Vernon, Daniel Émile Forc, qu'on a vu dans Le Casanova de Fellini, Jacques Dufilho, Marie-France Boyer, et surtout Serge Gainsbourg, qui compose notamment une partie de la musique du film, notamment une chanson inédite à l'intérieur du film, qu'on trouve sur YouTube, mais en soi qui est illégale. Le film va être présenté à Cannes en compétition officielle en 1967, mais comme la Suisse ne connaît pas ce réalisateur encore jeune, qui a le droit d'être en sélection officielle, il va recevoir aucun soutien, il va se débrouiller pour aller tout seul à Cannes, Jean-Louis Roy, il va coller lui-même les affiches dans la rue, enfin voilà, son film ne va pas connaître le succès qu'il aurait mérité. Malgré ça, c'est un petit bijou d'humour, et aussi un film qui nous fait penser beaucoup à la bande dessinée. On n'est pas loin, au fond, de Barbarella et d'un certain type de cinéma. Donc, cette curiosité du cinéma suisse, je voulais l'utiliser pour terminer ma petite présentation. En vous présentant, c'est normal puisque c'est la fin, vous présentez la bande de lancement de L'Inconnu de Chandigore de Jean-Louis Roy, 1967.
ce n'est rien. Faut que ça coûte trop. Alors que c'est à vous de parler et à moi d'écouter. De reptiles, de scolopendres. Et on appelle ça des savants, des marchands. Oui, des marchands qui cherchent à polluer le puits de la vie. Voilà pour ce petit changement d'atmosphère. Un mot encore pour vous dire de ce dont j'en ai pas parlé, à savoir le cinéma suisse-alémanique. En fait, c'est une volonté, d'une part parce qu'il est moins connu, difficile de trouver aussi des extraits, mais surtout parce qu'en Suisse-Allemande, dans ces années-là, à savoir grosso modo de 1965 à 75, la force réside d'abord dans le documentaire, mais les grands documentaristes n'ont pas encore commencé à faire leur travail. Les Richard Dindo et compagnie sont en train de commencer et vont signer des films importants à partir de 72, 73, qui vont venir après. Et de l'autre côté, il y a les premiers qui sont Alexandre Seiler, qui tourne, je crois que je l'ai évoqué tout au début, Siamo Italiani, qui est en 64, qui est le film, non, je crois que je l'ai pas dit, mais qui est un film important parce qu'il va, c'est le premier film qui parle de la question de l'immigration italienne en Suisse de façon critique, à savoir, il prend la défense des immigrés qui viennent travailler pour le bien du pays et qui sont méprisés à l'intérieur même de ce pays. Plusieurs cinéastes d'ailleurs vont traiter plusieurs fois cette thématique-là, comme Peter Hamann avec le photographe René Bury. Et de l'autre côté, il y a un autre cinéaste que j'aimerais citer, qui est Jürg Hassler. Jürg Hassler, qui a fait la même école de photographie que Francis Resserre, celui qui a réalisé Vive la mort. Ils ont exactement le même âge. Et lui, il va filmer en 68 les quelques événements estudiantins qui vont avoir lieu pendant mai-juin 68 en Suisse, à savoir à Zurich, ce qu'on a appelé l'occupation du Globus, qui était un grand magasin et qui va provoquer un certain chaos, mais au niveau zurichois, c'est-à-dire relativement modeste. Il va en faire un film qui s'appelle Krawall, Tapage en l'occurrence, qui documente extrêmement bien cette époque. Et pour rester sur 68, préciser que 68 a eu un tout petit peu lieu en Suisse, mais de nouveau de façon, comme je l'ai dit, relativement modeste, à Zurich, à Genève, à Locarno. Il y a eu quelques événements, mais jamais de l'ampleur de ce qui a pu avoir lieu en France. Et c'est seulement 12 ans plus tard, à la fin des années 70, qu'on va connaître une nouvelle poussée de violence, poussée d'activisme jeune, cette fois-ci sous l'égide de ce qu'on a appelé Zürich brennt, Zurich brûle, où en effet des mouvements de jeunes vont se battre pour conserver des lieux d'autonomie, des lieux d'indépendance. Et à Lausanne, un mouvement qu'on va appeler Lausanne bouge, mais Lausanne avec un accent circonflexe sur le A, L-O écrit L-O, Lausanne bouge, qui là aussi est un mouvement étudiantin qui va créer va être à la genèse de différents lieux alternatifs, notamment pour la musique, pour la musique rock, etc., et qui vont aussi changer la donne, mais comme je le dis, 10-15 ans plus tard. Parallèlement à ça, en Suisse romande, il y a d'autres cinéastes que j'ai volontairement pas cités parce qu'on serait entré trop dans le détail, mais juste pour ne pas les oublier, Frédéric Gonzette, Claude Champion, Yves Hirsin, que j'ai évoqué tout à l'heure par rapport aux Petites Fugues, qui vient un tout petit peu après dans ce parcours-là. Et en Suisse allemande, des gens comme Freddy Maurer ou celui qui prend un tout petit peu le relais en Suisse allemande au niveau de la fiction, cette fois-ci, c'est Thomas Körfer, qui va réaliser un film formidable, malheureusement méconnu et qu'on aimerait bien restaurer dans les mois qui viennent, La mort du directeur du Cirque de Puce, avec justement François Simon dans le rôle principal. Voilà, j'espère que ce petit panorama vous a donné une idée de cette, à la fois de cette richesse ou pas de ce cinéma suisse. Je pense que ces années-là ont été véritablement un âge d'or et que suite à cet âge d'or, les cinéastes qui sont venus derrière
ont eu beaucoup de peine à se confronter à ses pères. Comme je l'ai dit, Tanner, Souter, Goretta ont connu la gloire alors qu'ils avaient déjà 40 ans, 45 ans, qu'ils avaient déjà une force, une notoriété bien affirmée. Et ceux qui n'avaient que 20 ans ont eu de la peine à être derrière, à s'affirmer. Et souvent, j'en ai parlé à quelques-uns de ces cinéastes qui sont des amis, et y a un peu un sentiment... toute proportion gardée, d'avoir été une génération sacrifiée. Mais on est très content qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle bande, un nouveau groupe qui s'appelle Bande à part, qui est composé de 4 cinéastes dont vous connaissez peut-être les noms, qui sont Lionel Bayer, Frédéric Mermoux, Ursula Meyer et Jean-Stéphane Bron, qui travaillent d'ailleurs beaucoup à cheval entre Paris, Lausanne et Bruxelles. Frédéric Mermoux a été notamment à réaliser Complice, a réalisé Mocha avec Nathalie Baye récemment. Il a signé plusieurs épisodes de la série Des Revenants pour Canal+. Jean-Stéphane Bron a signé des documentaires formidables. Lionel Bayer, des fictions formidables. Et Ursula Meyer, Home et l'enfant d'en haut, qui a remporté récemment un prix à Berlin. Donc c'est cette nouvelle génération qui porte un peu tous nos espoirs aussi dans une nouvelle carrière internationale du cinéma suisse, donc un renouveau du cinéma suisse roman en l'occurrence. Voilà.